Pasteur Bernard, à la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, Pasteur Bernard. Mon garisim, mon Dieu bénin. La paix, bon Dieu, avec. Ah, nous, oui, servant, nous, commencer un petit bonheur. Il t'a semblé que offrande n'a pas pour ramasser. Donc, d'arrêt, mes soeurs, si projeter, chanter mon réveil là pour nous. Nous songeons que nous allons chanter. Nous allons bailler. Pour ma soeur, pour monde qui songe, les chanter. Ah. C'est Charlie qui a dit oh oh. Donc, nous avons ce vasti pour le projeter pour nous, nous pouvons le passer sur chanter Nali approprié à message, série de messages que Pasteur Junior a prêché. Donc, moi, pas besoin de suspendre l'oué ou pour ça ou fait pour moi. Et si nous t'a contrôlé, si nous t'a pris un petit temps pour nous noter ça, c'est a fait pour nous, je bon, garantis que ça le fait pour vous plus passer sans penser le pas faire. Amen. Amen. Moi pas jam suspend loué ou pour ça ou fait pour moi. Les mêmes problèmes ou aider moi ou fait moi puissance ou moi vraiment vivre sous moi. Levez tête moi gardez ou c'est un grand bon Dieu ou est pour moi m'a toujours loué. Moi pas jam suspend loué ou pour ça ou fait pour moi. Lève ma problème ou aidez-moi, ou fais-moi puissance ou. Quand quoi tu vas pas vivre sous moi, levez tête moi, regardez où. C'est un grand bon Dieu ou est pour moi. Ma ploué ou n'a problème, ma ploué ou n'a misère, ma ploué ou bon Dieu, ma ploué ou. Ma ploué ou les savants, ma ploué ou tous les jours, ma ploué ou bon Dieu, ma ploué ou. Quand quoi tu vas pas vivre sous moi. Levez tête moi, regardez où. C'est un grand bon Dieu où il est pour moi. Ma toujours loué. Dis, ma ploué où est ça bon. Ma ploué où la misère. Ma ploué où bon Dieu. Ma ploué où. Ma ploué où est ça bon. Ma ploué où tous les jours. Ma ploué bon Dieu. Ma ploué où. Chaque fois que la vie sous moi. Levez tête moi, regardez où. C'est un grand bon Dieu où il est pour moi. Ma toujours ou les sabon, ma ploué ou dans misère, ma ploué ou bon Dieu, ma ploué ou dans misère, ma ploué ou tous les jours, ma ploué ou bon Dieu, ma ploué ou. Chaque fois que la cabine sous moi, je vais tête moi, regardez où, c'est un grand bon Dieu, ma ploué ou. T'allez, on dirait que moun kap gade m toujours. Est-ce que c'est à ma fin pour vous? Barrez au monde que bon Dieu pas fait rien pour lui lever même dans salle là. Si bon Dieu font bagaille pour vous, campez sous pied ou en nous chanter avec vie, chanter lui avec entrain, comprendre ça ou dire m'a ploué ou dans misère, m'a ploué ou les sabon, m'a ploué ou bon Dieu m'a ploué ou. Et tant que j'aime ça tout à l'heure, sous ta contrôler les bienfaits de Dieu, m'bon garantie ou pas ka fin compter yo. Amen. Moi pap j'aime suspendre loué ou pour ça ou fait pour moi. Les mêmes problèmes ou aidez-moi ou fais-moi puissance ou. Chaque fois que la cabine sous moi, levez tête moi, regardez où. C'est un grand bon Dieu ou est pour moi. M'a toujours loué ou. M'a loué ou dans misère, m'a loué ou dans misère, m'a loué ou bon Dieu, m'a loué ou. M'a loué ou les sabons, m'a loué ou. M'a loué ou Seigneur, m'a loué ou. Chaque fois que la cabine sous moi, levez tête moi, regardez où. C'est un grand bon Dieu ou est pour moi. Oh, ma ploué ou, ma ploué ou dans misère, ma ploué ou bon Dieu, ma ploué ou. Ma ploué ou les sabons, ma ploué ou tous les jours, ma ploué ou bon Dieu, ma ploué ou. Chaque fois que la vie sous moi, levez tête moi, regardez où. C'est un grand bon Dieu, oui, et pour moi, ma ploué ou. Comme bagay moun qui t'est passé, hier soir, pasteur t'a demandé pour me chanter un chant pour lui. Donc pendant que nous campions, à nous chanter cantique là.
ensemble avec moi. Se vastit, c'est si l'ombre de la nuit réveille quelques doutes. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main que tu es. Vous pouvez vous asseoir, merci.
La paix, bon Dieu avec vous. Bagala manche à soi, hein? Et c'est pas soi, non, depuis dimanche dernier, ou même qui partait là dimanche dernier, ou perdit, moi pas perdit en pile, pas vrai? Parce que là, soi, mais si vous partez là demain soir, ou partez là vendredi soir, dimanche matin, dimanche soir, ah, ma vie vous manquez en bas, et vous manquez en pile, bien aimé. Donc, nous exaltons le Seigneur, le fait qu'il permette nous capables de bénéficier de cette agréable soirée. Nous remercions le Seigneur pour ces délais qui t'a dirigé pour nous. Et nous remercions tout le fait que vous payez présence. Donc, nous devons apprécier. Apprécier l'église baptiste Mogarizim pour nous. Chaque monde apprécie. Parce que, pasteur Isaac, Benjamin, comme ça m'a dit, il y a des fois où on va faire réveil. Et pour garder même l'église, il n'y a pas payé présence. Mais nous avons bagarre au champ, changer. Mais ça, il y a passé, pasteur Junior. Pas vrai? Songez bien, comment tu as dit? Bien, nous faisons tant nous, talent nous, on travaille bon Dieu, travaille bon Dieu. Donc, moi, je dois passer à l'union, par contre, je remarque ça. Il y a des gens qui investissent tant, ils investissent talent, yo, mais trésor pas là-dedans. Donc, à soi, les trois bagages ça, yo, pendant ce maintenant, c'était tout bagage là-dedans, pas vrai? Donc, alors, et secrétaire pour le faire ça tout, mais nous avons passé Isaac, Benjamin, c'est une petite église là, ils ont mis l'église là, mais bon Dieu, bah, ils ont un ministère. Donc, nous ne pouvons pas et parce qu'il s'est passé sur le silence, nous ne pouvons pas passer par devant, comme ça, nous pouvons présenter lui, et aussitôt, l'assemblée qui est avec lui, bien-aimé qui est avec lui, nous sommes contents pour capable faire ça. Parce que Isaac Benjamin, on apprécie lui. Si tous sont prédits, il y a un prédicateur d'église, qui prêchait pour nous pendant plusieurs fois. L'église, bon Dieu, béni. Moi, salut à soi, nan Jésus, je suis content. Mon garisim, je suis content. Mon garisim, moi content well. OK. Mon garisim, moi content well. Merci. Le content au monde, c'est deal. Au content well. Amen. Donc c'est pour nous une bénédiction pour que nous la caille parce que côté peuple bon Dieu, nous ces affaires bon Dieu nous la caille nous. Et mon garisim, c'est la caille moi donc moi content pour que ensemble n'a adoré le Seigneur en esprit en vérité. Nous saluons tout pasteur nous, spécialement pasteur Junior. Qui c'est? Il n'a pas seul l'église là tout, parce que assez souvent les là, nous contents de ce que ça lui a permis d'utiliser dans l'autre niveau à ça. Donc moi gagne quelques membres dans l'église là, moi gagne famille moi et quelques membres qui est avec nous. Assez on va prendre des vafonti camper, comme ça les chrétiens de mon garisme capable voyez yo et faire connaissance avec yo. Donc gagne qu'à prendre cognac etc. Donc bon Dieu béni, bon Dieu béni nous, bon Dieu béni nous, gloire à Dieu. Bon Dieu béni, bonne adoration. Merci pasteur Isaac, bon travail dans le Seigneur. On nous été ensemble pour nous capables de travailler pour la gloire de Dieu. Parce que travail pour la gloire de Dieu, c'est une bénédiction, pas vrai? On a investi tant nous, on a de nous, talent nous, résolu nous, notre travail, bon Dieu. Donc pasteur Junior a prêché une série de messages. Là, il finit de prêcher, je me sens que tu attends des messages, toujours, pas vrai? Donc, senti un goût, message au goût, pasteur Junior. Ça, comme t'es l'eau, et pendant que je n'ai pas de nous dire comment ça, message au saveur, message au poids, message au nourrissant, et message aussi, qu'il a pas dit encore, message au appétit, appétissant. Donc, nous disons, bon Dieu, merci, le fait qu'il ben nous ont tel ouvrier, et ben nous ont tel prédicateur, qu'il a pour capable de nourrir nous, pour nous capable d'avancer. Moi, j'espère que message ça, il n'y a pas passé dans l'air. Il y a des gens qui ont des belles messages. Mais après ça, pas rien. Pas rien. Je vais regarder pour moi comment, dans le service capable de venir dimanche soir, surtout parce que Junior François, je vais venir à l'église. Je vais tout fort, je ne sais pas si ça va passer beaucoup de là. Mais bon, ici, dimanche soir, je vais venir à l'église. Dimanche matin, nous remplis avec moi. Mais dimanche soir, pas là-dedans. Mais en soi, tant, ce n'est pas seulement dimanche matin, pas vrai? Il est là pour dimanche soir tout. Donc maintenant, je vais prendre le temps de passer Junior. Elle ne va pas me prier pour lui. On a prié, tous les yeux fermés, dis le Seigneur, touche le cœur. Pas venir seulement entendre des messages, mais dis le Seigneur, fais-moi capable de mettre des messages en pratique. Et puis comme ça, on va pouvoir, comment la vous, il pourra progresser sous toute forme. Prions le Seigneur. Père d'amour, nous bénissons. Dieu de gloire, Dieu incomparable, Dieu qui est riche en bonté, nous t'apprenons hier au soir, toute richesse sous la terre et pour vous. Nous apprenons l'éternel, Dieu puissant. Richesse ou yo universelle. Et non seulement richesse ou universelle, autorité yo universelle. Non seulement autorité universelle, amour tout li universel. Assoya, maintenant le temps prie, mes serviteurs devant, et accompagner, bon père,
il accompagne Frère, il accompagne Zamili, il accompagne collaborateur, la personne, pasteur Doval, il est avec lui. Moi, nous capable bénir la famille et bénir chaque monde qui est là. Permet que l'éternel, la vie, capable de transformer à l'aide de messages. Nous l'avons dans la main. Merci pour tout le monde. Merci pour les visiteurs. Merci pour les musiciens. Merci pour chaque ouvrier qui est dans l'église baptiste Mont-Galizim qui travaille. Conduit, renforce, baille aux forces, baille aux puissances. Comme ça, nous va bénir. Là, nous avons au nom de Jésus qui vit et qui règne maintenant et pour toujours. Amen. Pasteur Junior, François, on apprécie l'homme de Dieu pendant la parole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Crions ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes content parce que dans la présence de bon Dieu, frère? Nous saluons la présence pour l'autre fois encore pendant ce maintenant. On va gagner l'opportunité pour continuer pour tendre des voiles. On l'autre fois, le pasteur Calix d'Orval, connaissait on a un monde qui bon Dieu servi avec elle déjà pour bénir l'assemblée ici. Moi, accompagné également à Soya de mon petit garçon. Il est comme ici à tout petit, mais qu'on a là, c'est fin mai hôtel là et Gaji Bedli, moi, gagne mon petit neveu qui est là. Donc, il y a trois gros garçons accompagnés à Soya. Moi, je vais vous faire camper et saluer présence avec moi. Et à soya. Amen. Il y a plusieurs sizes qu'avec à soya. Pour mettre tes chita, n'a pas refait passage, lecture que nous avons fait hier soir. Quand nous avons terminé, nous allons aller rapide pour nous terminer avec, parce que semaine n'a fini dans mes nous, pour nous terminer avec des marches que nous entreprenons. Ça fait tantôt trois soirées. Nous avons terminé avec cette démarche à soya, Dieu voulant. Luc chapitre 16. Verset 1 à 13, Luc chapitre 16, verset 1 à 13, n'applique pas ça, et dès qu'elle sous écran, au capable de suivre ensemble avec nous, n'applique dans la version 8 secondes. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître louera l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à toi? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Parole du Seigneur. Hier soir, nous n'avons pas illustré avec cette parabole le choix entre deux trésors que nous commençons à explorer depuis
tantôt deux soirées depuis lundi soir, en un gros sujet ça, investi temps nous, talent nous, trésor nous, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail, Seigneur. Nous avons commencé avec une première observation dans le passage ça que nous avons fait. C'est fait son parabole, mais cette parabole, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs leçons là-dedans, quelquefois cachées. Il y a une leçon parabole ça, aide à nous comprendre. Nous avons dit que, bon Dieu, ça, qui invite nous pendant ce maintenant pour nous investir dans le travail, c'est pour bon Dieu pauvre. Comment on a fait pour servir bon Dieu? Hein? C'est un riche, pauvre, éternel. C'est quelqu'un qui possède tout. Et ça, on t'a dit hier soir, on t'a fait plusieurs explorations. Comme tu as annoncé pour Asroya, ce riche propriétaire, ce propriétaire qui possède tout, lui embauche des intendants, lui embauche des gérants, lui embauche des économes. Il embauche, he hires steward to work for him, to administer for him. Et c'est ça, madame, qui est à soi comme idée que nous sommes des administrateurs, nous sommes des gérants, nous sommes des économes, nous sommes des intendants, nous pas maîtres. Et madame, je dis entre parenthèses, l'on vient nous assembler, ou on vient dans l'église, première église baptiste haïtienne, monde garésime, pas parce qu'on a fait sauver avec pasteur Bernard, ou qu'on a fait sauver avec Jacques, ou qu'on est ses maîtres. Non, ils ne sont pas des maîtres. Ils sont des administrateurs, ils sont des intendants, ils sont des gérants. Et bon Dieu, maître. Et sous nuit corps, et pas gérant, ou à jeune siècle. Est-ce qu'elle l'a vu? Nous sommes, écoutez ça, frères et sœurs, nous ne sommes que les gestionnaires de la propriété de Dieu. C'est gestionnaire nous y est, et gérer, travail pour bon Dieu. La base de l'intendance est la reconnaissance que Dieu possède tout et nous ne possédons rien. Je répète, la base de l'intendance est la reconnaissance que Dieu possède tout et nous ne possédons rien. Qu'est-ce qu'un intendant? Un intendant est un administrateur. C'est quelqu'un qui administre une propriété qui n'est pas la sienne. A steward is a man or a woman who administers a property which is not his or which is not hers. Notre travail consiste à administrer les ressources de Dieu. Mais Jobou, c'est administrer ressources bon Dieu. Parce que son gestionnaire, ou son économe, ou c'est un intendant, ou c'est un gérant. Qu'est-ce qu'administrer? Qui ça veut dire administrer? Parce qu'on dit nous que un gérant, un intendant, un économe, un gestionnaire, c'est un administrateur, c'est quelqu'un qui administre. Qu'est-ce qu'administrer? La définition donnée par la plupart des dictionnaires de la Bible est que administrer, c'est la pratique du don systématique et proportionné de son temps, de ses capacités et de ses possessions matérielles, fondé sur la conviction qu'ils nous sont confiés par Dieu pour être utilisés à son service et pour son royaume. Je répète. Rapidement, et trois samedis, là, je vais répéter, je vais aller plus doucement. En bibliquement parlant, la définition du verbe administrer, c'est la pratique du don systématique et proportionné de son temps, de ses capacités, et de ses possessions matérielles. Et si nous avons mis des démarches, c'est maintenant de son temps, le T du temps, de ses capacités, le T du talent, et de ses possessions matérielles, le T du trésor, fondé sur la conviction qu'ils nous sont confiés, qu'ils sont confiés à nous par Dieu. Le monde qui a administré ça, il y a une conviction que bon Dieu confie le temps,
bon Dieu confie le talent, bon Dieu confie le trésor pour être capable d'utiliser pour service bon Dieu et pour royaume bon Dieu. Une autre définition, c'est une manière de vivre. Administrer est une manière de vivre. La reconnaissance de la propriété de Dieu sur une personne, sur ses capacités, sur ses possessions et l'usage fidèle de celle-ci en vue de l'extension du royaume de Dieu dans ce monde. Pour avoir une idée plus claire de cette définition, il est important pour nous comprendre la différence entre posséder et administrer. Est-ce qu'il y en a même entre posséder et administrer? Bon Dieu possède tout bagaille, il est propriétaire. Nous-mêmes, nous avons administré, nous sommes gérants. Un administrateur, c'est un gérant. Tandis que celui qui possède, c'est un propriétaire. Dieu nous a chargé d'utiliser pour sa gloire, même s'oublier tout ça, m'a dit, quoi, qu'il y a des phrases ça. Dieu nous a chargé d'utiliser pour sa gloire et pour l'extension de son royaume, notre temps, nos talents et nos trésors. Et madame, on pose cette question ça de temps en temps. Est-ce que j'ai utilisé temps? Est-ce que j'ai utilisé talent? Est-ce que j'ai utilisé trésor? Est-ce que j'ai utilisé pour la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai utilisé pour l'extension de son royaume? Bon, moi, avoir quelques ressources que bon Dieu bon nous. Première ressource que je dois avoir, c'est la vie. La vie est une ressource. Ou te connais la vie sans ressource. Ou te connais que tu n'es pas le propriétaire de ta vie. Ah. Tu es l'administrateur de ta vie. Ou encore la vie que tu as maintenant est gérant louée. Et administrateur lui. Ou bien pour rendre compte pour lui. Et ça me rend à soi, m'a terminé. Ouais, on va pas dire qu'administrer, je veux non. Ou bien pour rendre compte pour administration. Et vie comme une ressource que bon Dieu confie. J'en utilise, j'en servis avec elle, tôt ou tard, ou bien pour rendre compte. Dans Éphésiens chapitre. Regarde Genèse chapitre 1, verset 27 et 28. Excusez. Il dit, Dieu créa l'homme. Il donne à tous la vie et le souffle. Regarde Genèse chapitre 1, verset 27 et 28. Et bon Dieu, bon ça. Et l'élève, le branle. Dans les apôtres, chapitre 17, verset 25, la Bible aide à comprendre que la vie est un don que nous ne devons pas gaspiller. Là, mon cherche mon balle, mais dit, pas gaspiller vie. Gaspiller vie. En pile monde, t'as aimé vivre en pile temps. En pile monde, t'as aimé, par exemple, comme si ville, c'est pour lui. Il fait salver avec elle. T'as pas posé tes questions, ça, soyez là. Est-ce que bon Dieu prend gloire dans la vie? Vous pensez, ah, my life is my life. I do whatever I want to do with it. But I want you to leave the temple tonight with this. You are not the owner of your life. You are a steward. Ou administrer vie. Et ou bien pour rendre compte pour la vie. Une deuxième ressource, le temps. La vie, mettez entre parenthèses, c'est celle que vous avez reçue. It's what you have received.
le temps, c'est ça dont vous disposez. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il dit, gaspillez temps. Il connaît, et maintenant, vous changez dans 14, 54 créoles. Pigaou, gaspiller. Vive jodi a. Comme si c'est le dernier jour. Elle entre l'autre tête. Elle dit employé, talent ou yo. Rachetez le temps. Ici, tant que la paléa, sous ta li NIV, il dit comme ça, faites un rapporter. Il dit, faites un rapporter. En d'autres termes, pas dépenser temps, pas près de gaspiller temps, racheter ici, il veut dire investir temps. Un proverbe arabe qui dit, il y a quatre bagailles, c'est Shelly, de vous perdre, vous perdre net, depuis aller, aller net, ou bien l'autre, mais il dit, il y a quatre bagailles, depuis aller, et aller net. Il dit qu'on sa parole, cap saute dans la bouche, ou prend précaution avec elle. Parce que depuis là, aller net. Et ça fait, parcours et 10 moun sauvé. C'est vrai, après ça, on a pardon, mais des gars pour parole la fait, ali fait, li fait. Il y a des gens là, ils tout préparé excuse li, ils tout fait lettre excuse li, ils tout préparé email excuse li, ils tout préparé message excuse li, ils fait esprit li, tout parole là, après ça, la zou, I'm sorry. Que parole ou dit au monde, parole a fait des gars, lui qui prend temps avant pour mon réparer. Marie pas dit madame ou n'importe parole. Madame pas dit marie ou n'importe parole. Papa pas dit petit ou n'importe parole. Petite pas dit parole ou n'importe parole. Parce que parole qui est conséquence. Et depuis parole la sortie, le sortie. Et la Bible connaît ça. La Bible dit ou bien je tourne langue ou dans bouche environ 7 fois. Avant de lancer une parole. Et parole la sortie, sortie. Un deuxième bagage, il dit une flèche. Dans le proverbe arabe là, il dit une flèche qui lance, l'autre détire la flèche là. Et pour la gueule, même sous partie derrière pour Al-Kembel, il lance, net. Il va camper côté là, plonger, soit dans le monde, soit en côté. Mais depuis le lance, Et troisièmement, il dit c'est le temps passé. Le temps. Ouais, jeudi, c'est mercredi 20 mars 2024. Pas jamais gon 20 mars 2024 encore. Depuis le passé. Les affaires m'étaient dites pendant ce maintenant, nous tous, nous avons 168 heures par semaine. Depuis le passé, il est passé. Ouais, jouez nous les 68 heures, mais ça passe à le passé. Ça fait, dame, après investir temps, pas mal tout ça, dans semaine ça, son semaine pour penser à temps, pour comment utiliser temps, comment administrer temps. Parce que vous venez dans un pays d'opportunité, vous venez dans un gros pays, c'est vrai. Parce que vous n'avez pas bon Dieu, mon Dieu, dans le jour où vous allez me prêcher, non seulement, je suis tout centré message sur le ciel, mais puisque je ne peux pas croire dans le ciel, là, sous la terre, bon Dieu, tout dit, je dis, quelque part, je vais vous dire. Pour vous, parenthèse, n'a fait temps. Quand mon bon Dieu a la capacité et puis il vient aux États-Unis. Il n'a pas qu'à venir aux États-Unis sous pas prendre tout. Vous pensez qu'on va résoudre tout problème Haïti. Et pour oublier tes tout. Ah. Est-ce qu'il y en a avec? Ou bien, il y a des gens qui disent comme ça, mon cher, parce que junior, je suis à l'école vraie Haïti, je fais 4 ans d'études, etc. Je viens ici, même si j'ai deux petites, j'ai un grand petit, j'ai un mari, j'ai une madame, je ne parle pas anglais bien, pour me résigner. J'ai un ami qui me prend comme yon, et il connaît ça, je m'a servi avec exemple comme illustration pour le côté me passer. Elle entre ici, il était un petit âge, il pas de calna high school, il prend du Jiridil. Et puis après ça, l'elle marié, il était CNA. Et puis il a pas la quête, on dit il gain plan pour ta à l'école, il dit madame, ou gain mari, ou gain petite,
prosse femme, vous tendez, etc. Et puis vous voulez voler rêverie. Et puis le franchit, elle dit, bon, ça va dire, nous avons vérité là-dedans, nous avons sagesse là-dedans, ma prends sagesse là. Je ne sais pas qui peut gêner les gens quand ils allent ici, full time, dans le capam, ils sont mariés à vrai, ils sont petits de vrai. Je n'ai pas besoin de courir pour courir même vitesse avec eux, je gère le temps. Et puis, pendant l'ancienne, il prend une classe LPN. Je ne sais pas comment ça l'a réglé. Je vais faire une parenthèse pour me dire un bagage Orlando. Et pas tout ça va régler pour les gens. Il y a des gens qui vous connaissent. Je vais faire un bagage. On va faire un sage. Il y a des bagages pour les gens. En plus, il ne faut pas rembler tourner les gens. Il faut faire quelqu'un qui dit oh, qui est à l'école là. Ah, on va dire ça, Dieu là, non. Il faut que dit oh, qui est à l'école là. Régler-t-il à fort parce qu'on ne peut pas aller même vitesse à mon. Mon a découragé. Parcours, parce qu'on n'a aucune compétition à mon. C'est un jeune monde lié. Il a dit LPN, faut que 18 mois. Ça dépend. Ah? Ou même Paul là, dépend qui vitesse souffre. Paul là, qui a pris 3 ans, 4 ans. Et ça ne faut pas que les gens découragent pour voir qu'on a fait. Parce qu'on compte comment on prend classe ou. Et on compte comment valer l'argent ou gagner ma roue. Mais ça qui est important, ce n'est pas valer ton prenant route là, faire son capable pourri. Il prend madame dans 3 ans, 4 ans, elle vient. L'elle finit, elle vient, il dit oh, abam, t'es capable. Il dit ballon à haine. Déjà, nous avons un programme spécial qui dit From LPN, you can move to RN. Qui a dû en dire environ 2 ans, mais elle fait environ 3 ans parce qu'elle est en deuxième petite. Elle est mariée, elle prend temps. Et puis après, elle a fait RN. Elle a fait RN, elle dit Marie, je ne peux pas chiter même. Parce que les gens qui ont dit comme ça, et comme si elle a dit même LPN que je ne peux pas cailler. Mais je dis RN. En vérité, je connais ce practitioner. Ça a gagné 2 ans, dame, ça m'a parlé à vous là. Il n'y a pas qu'on 50 ans. L'air te dit toute parole ça, il a gagné environ 28 ans. Quand il n'y a pas qu'on 50 ans, chaque matin, blouse li sous lit. Il n'est pas n'importe nurse. Ah. Le nes partitionnel. Pour qui ça me plaît de dire ça? M'a dit quelqu'un monde qui là. Pas quitter pays sa masco. Parce que sous tes docteur Haïti ou vini ici après le docteur. Ah. Mais ça pas veut dire docteur vrai. Amen. Ah. Pas le docteur et pour tomber mettre blouse sous pour se prendre un grand gros avantage. Éducation côté gain en ca servir avec faut d'accord dans pays à mettre pio à terre m'a pas la quelqu'un qui vit là mettez pio à terre pas orgueil régler sa fort frère pas dit monde tout à fort gain bagarre pour kembe mais pas gaspiller en plus fois dit un jour yon nan plus gros livre dans livre leadership moi li c'est John Maxwell qui écrit son petit livre écrit il dit change your mind yon vieux petit livre qui dit change your mind yon nan chapitre dans livre là il dit it's time to turn your one day to day one. It's time to change your one day to day one. We're going to appel moun di, one day I will be this. One day I will do this. Li leve demain. One day I will support my church. One day I will. Et puis demain si di, one day. Mais ki lo pral change one day la? An di nan. Non. Commencez day one. Jodi a, m'a fait jodi a jour 1. Peut-être li ka prend 1000 jours, li ka prend 2000 jours. Mais tout jour ou ki moun rive nan fin, li te commencé. Et m'ta mon aide m'zou moun sa. Bon moun lan men dil. Jouk pi difficile la premier jour. Premier jour, de pour partir premier jour ou partir net jour plus difficile là c'est premier. Et quatrièmement dans le proverbe là c'est opportunité. Amen. Opportunité perdue. Et dans le passage ça veut dire racheter le temps en dedans gain non seulement temps mais gain opportunité ratée. Ou à jeune l'autre opportunité. Mais au parti tu raté à au raté elle. Il y a plein monde ici par exemple qui t'ai raté opportunité. Monde qui était ici en 2008.
qui rate opportunité na pendant que te gars fait bagarre kay etc. C'est vrai en plus monde t'a perdu kay mais tu as opportunité pour quelque autre monde. Mais un peu mon raté opportunité ça. L'important pour kembe jour parce que chaque fois ouais yo tout pour monde qui dans domaine dans tout chaque fois ouais mon a plein en pile pour un bagage ou même calé jour. Parce que probablement ka un bagage qui a passé peut-être pour l'autre opportunité qui vient encore. Mais bat pour pas rater. Peut-être bah ciel même tout un bagage là pour ouvrir jour parce que une opportunité qui t'est passé des jours raté qui a tourné encore. Le temps, ça qu'on gagne, pas gaspiller temps. Il y a des gens qui pas investi au Kent, qui est bon Dieu, bah le temps, il prend, et comme s'il oublie, il connaît ses mêmes temps. Troisièmement, les possessions matérielles, les moyens financiers. Ce qui vous est confié pour travailler à la gloire de Dieu, c'est pourquoi vous travaillez l'argent. En pile fois, nous peut parler de l'argent, surtout nous-mêmes, pasteurs. Et comme si parler de l'argent, c'est un péché. Jésus parlait de 38 paraboles dans la Bible. Jésus parlait de 38 paraboles. Combien de paraboles m'a dit? 38. À l'école, oui, dans la semaine. Combien de paraboles dit la Bible dit Jésus parlait? 38. Il y a 16 là-dedans sur l'argent. Ah. Sous chaque 10 versets dans le Nouveau Testament, selon les théologiens, il y a une sous 10 qui est pour avec l'argent ou encore moyens financiers. La Bible a environ 500 versets qu'elle parle sur la prière. The Bible devotes 500 verses on prayer. Less than 500 verses on faith. Over 2,000 verses on money and possession. On répète ça. La Bible a vu 500 versets sur la prière. Moins que 500 versets sur la foi. Plus passer 2000 versets sur l'argent et la possession. Je prends une phrase ça dans la prédication. Je vais tellement répéter les phrases. Moi. Michael. God cannot have first place in your life if you are giving him last place in your checkbook. Let me say it again. M'bra djouli en bon créole talé, but let me say it again. God cannot have first place in your life if you are giving him last place in your checkbook. Bon Dieu pa ka gen premier place nan la vie sou bal dernier place nan canet pa koubien nan canet chèkou. Pa m di l nan sens. Bon Dieu pa ka gen premier place nan kèw pendant qu'il gen des places nan poche ou. Deux éléments ça important, talent et l'argent. Et m'bral bon illustration qui est fondamentale. Nous besoin talent pour chanter. Dans micro. Nous besoin l'argent pour acheter micro. Amen. Amen. L'on prier. Ou bien prier pour bon Dieu fort cadeau talent vin l'église, prier au bon Dieu ben onction pour parler dans micro etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier pour le micro. Et quoi vous avez fait? You are the answer. Je vais chercher mon ballon. Je dis, lorsque vous répondez, vous priez. Si vous priez pour lui, c'est quoi vous? Parce que pas qu'à répondre à la prière et vous priez pour lui. Ah. Est-ce qu'il y en a à faire, ma soeur? Donc, je ne comprends pas bon Dieu bien. Ou pas capable de dire, oh Seigneur, ou que premier place dans la vie, ou que premier place dans la vie. Non! Bon Dieu, pas capable de premier place dans la vie au monde, s'il y a dernière place dans le poche.
Et en pile fois ça ne fait avec l'argent nous. Nous dépensions oublier à demain. Et nomme ça dans la Bible là. Qui fait féliciter monsieur, il te font bagaille. Sur garde passage là. Qui ça te fait louer là? Bible a dit le maître louera le manager ou encore l'économe infidèle. Pour qui ça? Mais raison. Il sacrifier le présent pour l'avenir. Pensez à demain. Mais nous même ça ne fait pas une fois. Nous sacrifier l'avenir au présent au lieu du présent à l'avenir. Nous oublier à faire demain. Mais non, dans chita dit j'entendais m'a perdu job moi dans le présent. Mais m'a fait un plan pour l'aime perdre job moi hein, pour l'avenir. Parce que nous n'en prudent tout le monde qui prudent pensez à demain. Tout le monde qui prudent pensez à demain. Tout chrétien prudent, il pas gaspiller tant le talent, le trésor, seulement comme si c'est vrai faut le travail, mais on doit penser à demain, ou penser à l'éternité, ou penser à travail bon Dieu. Et on peut poser quelques questions pour dire mais comment on peut investir de l'argent dans le travail bon Dieu? Comment on peut mais on dit bon Dieu, pas besoin d'argent. Et on a façon qu'on peut servir avec pas besoin. Il y a plusieurs façons. Une là-dedans, c'est leur investir dans le travail, bon Dieu, investir l'église. Il y a une autre façon, et Jésus dit ça clairement, c'est aider les gens qui ne sont pas capables. Jésus dit, oh, pile fois, oh, nous ne pas venir nous en prison, nous ne pas venir nous de tel côté. Tout ça, ce sont des ministères que l'église a quand même sous pied. Mais pour le mettre sous pied, il faut contribuer. Est-ce qu'on l'avait folle, contribuer. Le bon Dieu place l'église dans la communauté, il place pour faire impact par rapport aux besoins de la communauté. But we need money for that. Jésus était contre avec deux groupes monde dans Matthieu chapitre 25. Et puis le premier groupe, il félicite yo. Parce que l'aime t'es malade, nous t'es visité, l'aime t'es grand goût, t'es bon manger, l'aime t'es dans prison, etc. Mais grand groupe mon dit pas faire ça, je pose la même question qui ni ça faire ni ça pas faire, they ask the same questions. Jésus dit l'enté fait pour pipiti. Non mitan nous. On te fait pour moi tout. Malheureusement en pile fois en pile dans nous pas utile l'argent nous pour la gloire de Dieu. Parce que nous voulons ba moun qui caban nous. Nous voulons faire ouais avec l'argent nous. Oh, tes grands bagages, l'aime tes petits me dit comme ça en a pile carrefour en Haïti que t'es triste. C'est les youmoun fin faire manger dans saison fête et puis la porte manger ba 11 000. Et puis pendant petit li rive dans route, li joine ak petit zamien ka porte manger la kaypal. Mais dans mi temps gon kay ki pa gen manger du tout. Ah. Je vais répéter ça encore. Ouais, alors tout ça nan ça n'a vivre en Haïti là parce que en peu de fois moun ki pa gen possibilité a tout j'ai fermé sous li. Nous pral ka un moun ki fait manger déjà et puis ka pou manger bon ki fait manger déjà tout mais gen un moun ki nan mi temps. Aucun moun pa wèl parce que m pa bon ou pa gen pou bon. En pile fois grand pile travail qu'on a fait pour gloire bon Dieu dans mi temps on m'ont fait mes jours. L'on vient l'église je dois caler. Pa gen des fois gen des époques où font bagaille pa gen même valeur par rapport à l'on fait là. Bon Dieu bagaille. Gon l'air ou fait pasteur junior cadre en soulier. Il pa gen même valeur à qu'on l'autre l'air valil. Ah, vous voyez ça encore. Gon l'air bon mon soulier. Oh Même si tu achètes souliers à $50, c'est où qu'on a dépensé $50, mais moi-même, comme si même $10,000 me recevoir. Mais bon, l'autre, et là, ça, ou fait bagarre là, non, non, ça fait l'église. Il faut jouer au calé, il y a des gens qui prêtent pour critiquer tel monde, etc. Et tel pas respecter l'église, car je viens de l'église, et qu'on est le pas qu'on est.
Mais même ou pas, si nous apprenons tout le message là, dans le chapitre 7, Jésus a dit pas juger, ou même ne pas juger, ou vient juger mon nom. On va chercher un moyen, pas dire que le monde vient soucher, mais il vient l'église, cherche une façon de parler avec lui. Oh, invitez le sort. Si je ne sais pas, laisse-moi la veine. Invitez le sort. Et puis fais ça dans l'amour. Pas bien suspect ou pas humilier. Pas faire paraître ou pas balle parce qu'elle va gagner. Et comme si you are hanging out. Et promener, n'a promené. Et puis l'autre va au côté. Ou dit, ou pas choisir un bagage nous. Et pour quitter le choisir, ça l'a choisi. Oh, et qu'on n'a pas comme ça on fait pour lui. Et pour pas bien entendre pour le nom, prêter Dieu merci, etc. Parce qu'on pas faire pour un. Aïe, ou faire un bagage pour le monde qu'on pas faire pour le faire, hein? Aïe! L'argent. Et quatrièmement, et dernièrement, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels. Tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel, ou bien au moins un don spirituel. Qui ça me dit là? Tout le monde qui a accepté. Ou bien au moins un don, grâce à 1 Corinthiens 12, verset 7 dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a mon seul don. C'est une église à chita. Et puis critiquer. Même dame de tout le monde qui l'a grand don mon Dieu baou. Ce pas qu'on découvrir, chercher moyen pour découvrir. Mais on a moyen pour découvrir don. Et tes grands amis, l'église me pose une question ça. Parce que comme dit quoi, l'église dimanche matin, qui a un peu de monde vient là-dedans seulement, lui dirait il est temps et demi à la rigueur des heures. Un peu de monde connaît ça, l'église là. The church is more than that. Côté moun développer don, ce n'est pas dans le service dimanche matin. Et dans le groupe. Garçon, si vous avez développé don, allez dans le groupe d'hommes. Dame, si vous voulez développer don, allez dans le groupe d'âmes. La jeunesse, allez dans la jeunesse. Et c'est là, dans le groupe, ensemble, nous, pour aller découvrir don l'autre. Et pour assez, vous venez découvrir, oh, un tel qui a chanté, un tel qui a dirigé, un tel qui a fait ça. Mais mes amis, je ne suis pas capable de tant de fois rien du tout. Et puis, je me dis, oh, belle madame, ça va me diriger au service dimanche matin. Ou capable, ou, et bien, il y a une façon d'ailleurs qu'à découvrir dans tout, et l'on fait plusieurs bagailles, même pas qu'à une fois faire plusieurs bagailles, non, et pas pendant le réveil là, pour me faire plusieurs bagailles pour qu'à découvrir dans, maintenant, l'on a 10, 15, 20, 30, 40 dames réunies entre nous, et puis tellement venu à l'aise, une à l'autre, entre parenthèses, bon, tout dit ça, ministère, non, je suis avec le ministère, l'église, moi, me dis ça, le ministère la semaine, yo, yo pas là pour chanter seulement. Ah. Souvle ministère d'amnan élargi parannik réuni chaque fois réuni goma so campé nous prier et puis répétition semaine prochaine prière répétition non son ministère gè l'église dimanche matin gè l'église gè service de prière chaque fois moun nan vinn nan dame pa nan service il vinn encore pa ka gon moun prêcher yon moun faire lecture yon moun bagay et pour chanter wal la caille moun nan ka di ah mais service encore non 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 faut gè plusieurs bagay blague blague ou pa ka di devant l'autre garçon blague ou pa ka di devant l'autre moun et là nous blague là enseignement moun ki fait l'autre bagay etc. et pour chercher talent moun yo moun nan l'en vinn à l'aise ou pa rien problème koun ya là ou camper ou font lecture ou mal passer devant mesdames yo pa rien problème. On l'a oublié. On l'a chanté. Et puis, nan fait, on dit, eh, un tel ça, il y a une action dans le domaine ça. Et pour sauter dans ce groupe là, qu'on y a là, ou venir dans un gros groupe là, qui c'est l'église là. Est-ce qu'il y en a avec? Ça, c'est très important. Mais, ou pas rien temps, on est venu dans le groupe, on a aucun petit groupe, ou pas dans un rien. Non, comme finalement, d'où arrêter là, ou pas utiliser libre. Il y a 5 bagages que je m'ai marqué, soit fait don. Je vais citer. Premièrement, chaque chrétien a au moins un don. Qui ça me dit là? Au moins un don. Chaque chrétien. Depuis que chrétien a au moins un don. Deuxièmement, chaque chrétien doit utiliser don au service de l'autre monde. Don, bon Dieu, bon là, pas pour vous. Don, bon Dieu, bon là, li pas. Ouais, don, bon Dieu, bon là, pas pour moi. Li bon moi, pour vous. Sac pour moi, là, où? Avant de dire ça, sac pour moi, li. Nan ou, sac nan mouen se. Troisièmement, aucun membre a tous les dons.
Par aucun monde, par tout ici si l'église. Par aucun monde qui a tout don. Yo. Quatrièmement, aucun don n'est donné à tous les membres. Ça fait nous besoin l'autre. Par contre, passer encore tout le monde la tête. Non, non. Et finalement, et bon Dieu décide qui est-ce que c'est voir tel don. Qui est-ce qu'on dit que décide ça? C'est bon Dieu qui décide qui est-ce qui recevoir tel don. Et bon Dieu qui décide si un tel a prédicateur. C'est bon Dieu qui décide si un tel. Et bon Dieu qui décide qui don un tel a recevoir. Et m'a terminé à ce que vous me dire. Fais ce que vous administrez bien. Parce que vous pour rendre compte sur façon administrer les ressources bon Dieu. Fais ce que ou bien administrer les ressources bon Dieu. Pour qui ça? Parce que tôt ou tard, ou gen pour? Rendre compte. Un compte doit être rendu pour façon que ou te gérer bien, bon Dieu. Dans le cas de nan, comme conséquence, il perdit emploi. Il perdit occasion. Il perdit confiance, mettre lui. Mais parce qu'elle te fait prendre au moins pour l'avenir, il y a une quichoué quand même. Ça m'a dit, pas gaspiller. J'en gère temps, j'en gère talent, j'en gère trésor, pour que vous rendiez compte. Mais bon Dieu. Parce que vous êtes administrateur. Vous êtes responsable pour trois groupes de monde dans la façon dont vous gérez le temps. C'est ma conclusion ce soir. Premièrement, vous même avez nos responsables devant l'opinion publique. Ça fait un pile dans nous connaît et vie privée et qui ça, etc. Non, vous êtes responsable devant l'autre monde. Parce que c'est pour vous qu'on fait. Et ça fait moun qui a dirigé service, moun qui a prêché. Par exemple, Pasteur Bernard, responsable de l'église, invité pour prêcher en conférence. C'est vrai, je passe le temps dans la prière, mais je passe le temps tout dans la préparation. Est-ce qu'il y en a avec? Pour qui ça? Parce que moi, je viens prêcher à un groupe moun. Ou je viens chanter ici, parce que je ne sais pas fort qu'on est là. Je prépare quelques femmes, je vais rediser quelques personnes qui l'église dans ce sens. Je vais demander de chanter. Mon service à soi dit oui, comme il y a un chant spécial. Au passé, chant spécial là. Et puis, elle vient, elle dit quoi? Qui chante à chanter là? Mais je dis, on n'a pas de chant. Ah? On est là ou dérangé parce que mon dica font parler dans assistance. Non 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 non, attendez ça, de pour faire là ou faire pour bon Dieu ou faire pour nous tous. Et ça fait ou doit faire pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'assemblée. Si vous voulez faire seulement pour la gloire de Dieu, faire la caillou. Ah? Amen. Ah, mon maman qui me dit ça. Si vous voulez faire pour la gloire de Dieu, vous voulez chanter seulement pour la gloire de Dieu, ouais, moi-même, je ne vais pas chanter des choses spéciales, mais maintenant, chanter pour la gloire de Dieu. Les m'a payé, je chante pour la gloire de Dieu. Pendant que je vais vous chanter, je vais vous chanter sous ta vie d'entrée, je chante pour la gloire de Dieu. Mais pas qu'à gros banquet à fête, pour me dire, je chante pour la gloire de Dieu. Pas qu'à bras qui dit, je ne parle pas le vin là, pour me faire un petit papier, je chante pour la gloire de Dieu. Pas qu'à un service sincère, pour me demander un papier pour la gloire de Dieu. Non, 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 non. Cérémonie, ça va, cérémonie. Pam, ça a fait là pour la gloire de Dieu, mais pour l'édification, peuple bon Dieu à tout. Ou responsable Amen. Devant l'opinion publique. Amen. Ah. Amen. Bon Dieu choisi pour faire classe dominicale ou responsable devant Mounio. Faut faire un bagage en plus, c'est vrai, ou busy, ou fatigué, je ne comprends pas ça. États-Unis, ou grand pile bagage. Mais si il y a 10 personnes dans la classe, il y a un journal, tout. Journal là. Tout. Il y a un lit journal là. Déjà, au moins, ils font plus mon travail parce que, au moins, ils ont été le samedi. Ou même, ils ont vint là. Et comme si tout le monde dépoussait protestant quand on en a.
et l'autre parent là, texte d'or, etc. Quand on l'a tout l'air, je vais vous dire que ça, je vais vous dire exception là-dedans. Tout bagage est exception. Ou est l'on habitué à préparer, l'on respecte bagage, bon Dieu, les gons, cas exceptionnels, ou à saisir, ou à bon Dieu, servi avant, extraordinairement. Oui, mais pas sérieux, parce que les gens là, tu es dirigé service, les préparer, mais quand les gens comment que dirigeant pas venu, ou bien bagaille, parce que là, dit un tel, je dégage et on cap prêcher, dégage c'est on cap diriger, laisse-moi pas que tu préparé un rien, ou à saisir, ouais, j'ai cet esprit servi avant, les cas servi avant, en façon que le pas jamais utilisé avant, mais ça pour occasion pour prendre oui libre. Chaque fois que vous dirigez, vous ne faites aucune préparation. Vous avez fait classe dominicale. Vous ne savez pas qui est ce qui vient dans la classe. Vous ne savez pas qui est ce qui est capable de chuter devant. C'est vrai, chrétien, mais vous ne savez pas qui est le monde. Prends mesure de précaution. Si vous avez une question, elle va appeler, vous dit, ah, bon question là. Bon, je le pasteur Bernard. Bon, je le pasteur Mercier. Bon, je le tel. Pour son café, etc. Quand vous êtes là, bon, j'ai servi avant, vous venez devant vous. Parce qu'on est responsable devant l'opinion publique. Deuxièmement, ou responsable pour propre conscience ou. Ou mettre propre ou fâché. J'ai bagay ou faire conscience. Est-ce que la même conscience ou responsable devant propre conscience ou. Ah bon, j'ai placé en dedans, même ou conscience ça, tout le monde gagne. Et d'ailleurs, monde qui dans domaine philosophique yo, il dit celle en dedans là joue trois rôles. Cette conscience dépendamment de l'heure. Il dit tout le monde qui font action conscience qui joue un rôle qui joue pendant, avant et après action. Conscience tout le monde c'est conseiller avant qu'on pose action. Ouais ça m'a dit n'a fait l'église n'a fait tant talent trésor pendant ces semaines là conscience soit conseiller mais ça pour faire mais comment puiser talent etc. Non, l'oral fait action, conscience n'a été conseillé à connaître ses témoins. Après action, elle pas témoin encore, c'est juge. Et ça fait aucun ouais, au fond bagarre aucun monde pas ouais. Moi sens tout pas à l'aise parce que au moins grand témoin. Si pas bien l'autre monde qui était là, l'autre a fait la conscience ou. T'es là. Et troisièmement, c'est pigoua. Responsable devant bon Dieu et bon Dieu ça co-responsable devant l'un c'est lui qui met temps c'est lui qui met talent c'est lui qui met trésor et aucun pour rendre lui compte cherchons mon balle en main et me donne mon cérémonie pendant la terminer dire comment gérer ressources bon Dieu dit la vie temps, talent, trésor, yo pas pour. C'est gérant yo yé. Pas fâché avec nous. Ou son gros gérant. Administrer bien. Bien administrer temps. Bien administrer talent. Bien administrer trésor yo. Pendant qu'on utilise temps aujourd'hui, hein. Pour nous utiliser talent aujourd'hui, pour nous utiliser trésor aujourd'hui, pensez à demain. Ou bien pour rendre compte. Raison qui fait me choisir l'église ça pour me faire membre c'est parce que premièrement c'est la Bible qui fait autorité dans l'église là. L'église est vraiment basée sur la Bible. Deuxièmement, gain l'amour fraternel qui manifeste entre nous. Côté que l'on a mis temps membre l'église baptisme là il ou vraiment sentiment famille. Troisièmement, nous connaissons bien que travail bon Dieu besoin l'argent pour avancer mais comité l'église ça pas jamais forcer moun bay l'argent. Et membre l'église n'a contribué selon Jean-Labib Mandela, yo bay libéralement selon Kéo, sans forcer.
c'est toi et majeur raison ça qui fait nous choisir faire dans l'église mobilisée. Même quand chaque l'église vous persévérer, pas hésiter contacter membre ou pas besoin. Merci.